Hey, salut à tous, c'est Nazwan qui vous parle, comment ça va? Moi je vais super bien, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Paper Mario. Comme vous pouvez le voir, j'ai remis la petite manette en bas parce que c'est un truc qui me fait bien triper. Alors oui, c'est une manette PlayStation, hein, parce que j'ai pas la manette Nintendo 64 qui est affichée, mais... Ouah, Mario, qu'est-ce que... Ça va saigner, Mario est déjà là, prenons le chef, Koopa Rouge! Que je vais vite aller voir si j'aurais pas le skin Nintendo 64 peut-être. Peut-être. Avec de la chance. Bah j'ai GameCube à la limite. Vu que le jeu était sorti sur GameCube. Mais non. On va rester en PlayStation. Bon allez hop. J'ai mis un endroit où elle dérangeait pas trop la manette. Bon, par contre j'ai oublié de faire une petite chose. Allez, mets-toi sur pause. Allez, voilà. Nickel. Ça, c'est comme ça qu'on fait. Ah non, j'ai pas les PV de l'autre, donc je change de perso. Goombario. C'est un bobombe. Ils sont un peu lunatiques. Ils deviennent foufou si tu les attaques. PC max 3, puissance 1, défense 0. Ne saute pas dessus lorsqu'ils se fâchent ou ils t'exploseront en pleine tête. Conclusion, sois relax. Frappez à distance avec des objets comme le marteau ou envoie des trucs comme des carapaces. S'ils attaquent en étant en colère, ils exploseront, alors fais gaffe, faut pas les gonfler. Ok. Ok. J'aime bien ce système de combat, c'est vraiment très sympa. Bon, en gros, tu peux éviter tous les coups, quoi. Attends, comment je fais déjà pour... Ah, voilà. Voilà, il s'énerve, du coup, ouais, c'est pour ça que je voulais faire comme ça. Du coup, on fait le marteau. Du coup, vu que c'est un jeu qui se joue beaucoup sur la pression de bouton et tout, je me disais que j'allais vous montrer le... Hein, vous avez trouvé la clé forteresse, ok. Cool. Bah, c'était pas facile en fait, là je sais pas trop comment je vais faire. Voilà, s'il te plaît, pas chier. Bon, on va se concentrer à mort sur le premier déjà. Nickel. D'accord, il s'énerve, mais là il attaque directement avec. Mais je peux quand même me protéger, ok, d'accord. En fait, la première fois j'avais mal fait mon. Non.
Cette forteresse est très solide puisqu'elle est faite entièrement en pierre. Je redécouvre un peu mes touches, ça fait un petit moment que j'ai pas joué. Ah, voyons comment le grand Mario se débrouille. Il se débrouille très bien, merci. Ya, Mario, n'y pense même pas, tu ne trouveras jamais ton chemin dans cette forteresse. Il risque d'y avoir du grabuge ici. Cool, à plus les nazes. Ah, putain, loupé. Ouais, on va tout simplement... Pas d'action. Merde, loupé. Oh putain, là j'ai complètement loupé. Il me semblait pas avoir loupé, je veux dire, je pourrais toujours regarder sur la petite manette là en bas si j'ai loupé vraiment, mais il me semble pas. Oh putain. Non mais là je l'ai fait. Et je l'ai fait juste. Voilà, là c'était juste. Là aussi, ok d'accord, mais je comprends pas en fait. Je sais pas si je peux appuyer une deuxième fois en fait, mais je le fais à chaque fois. Ils s'énervent vraiment pour rien ces machins. Hein. Après, il y a Xivi qui m'a dit qu'il fallait plus que je mette dans les points badge. Parce qu'apparemment, c'est y a plein de badges qui font plein de trucs différents et c'est cool. Bon, là, j'ai peut-être été un peu trop tard, je sais pas. À savoir. Bah, là aussi, visiblement, mais... Ok, pas grave. Mon mal de dents s'est calmé. Pas trop tôt. Ça, vous le savez pas, mais... En gros, au moment où je tourne cette vidéo, c'est le moment où hier, je n'ai pas fait de live, parce que j'avais mal... un mal de fou aux dents. Des fois je leur saute dessus et je t'avoue ça marche pas, je comprends pas. Ok, non, non, là je comprends pas, je t'avoue. Là j'ai réussi. Là aussi. Bon ok d'accord, j'y suis arrivé trois fois là. Mais...
Là, j'y suis pas arrivé. Non, je comprends plus, là. Et les bobombes, c'est un peu chiant à combattre. J'ai regardé un peu des let's play de Paper Mario, la porte millénaire. Il a l'air vraiment sympa comme jeu. J'adorerais le faire sur la chaîne, mais bon, c'est sur Wii, donc... Je suis pas sûr vraiment qu'il y ait des possibilités de le faire. Si vous avez des idées de comment faire ce let's play sans avoir de Wii, bah dites-le moi, parce que moi, à ma connaissance, il n'y a pas d'émulateur Wii qui existe. Merde, j'ai peut-être fait une connerie. Il aurait peut-être fallu que j'aille en haut en premier, non? Je sais pas du tout où je vais, là. What? Ah, il faut battre tous les ennemis, c'est ça. Eh, pas chier, je préfère Goombario. Hein. Oh putain. Non, mais j'y arrive plus là. J'y arrive plus. J'y arrive une fois sur mille. C'est ça mon problème. Bon, je vais bientôt prendre un level et ça c'est cool parce que niveau de la vie c'est la misère. Là je suis à 90 pièces étoiles, point étoile, je sais pas comment on dit ça. Et puis j'arrive à la même. Mais non, mais tu vas pas rester debout, toi. Hein. Laisse tomber. Voilà. On arrive pas à se relever, hein. C'est chiant, hein. C'est assez horrible, en fait, quand tu réfléchis. Il est pas chier, j'aime beaucoup ce jeu. Il est très fun, il est très mignon. Ah bah je suis enfin arrivé à avoir l'initiative. Purée. Il était temps. Arrêtez d'essayer de vous relever, vous pouvez pas. Je sais même pas si je vais dans le bon sens là. Bon, je te dirais, c'est pas Paper Mario, les donjons ne doivent pas être bien compliqués. C'est pas logique. Pensez-moi, ça va de plus en plus vite.
Ok, d'accord. Ah! Ouah. Bien ça. Ça donne des pièces. Est-ce que c'est un bug? Ou c'est prévu? Je me rappelais pas qu'on pouvait faire ça dans les Super Mario Bros. Originaux. Bon, tout en bonne direction. Vous avez trouvé que les forteresses, cool. Ça sert strictement à rien à part aller un poil plus vite. Voilà. Il y a des... J'entends dans la musique des réminiscences du premier Super Mario Bros. Super, j'ai une clé forteresse, mais... Il y a des bobombes qui sont emprisonnés, là. J'ai pas envie d'aller les faire chier. Ah, voilà. Ça va, mec? Parfait, je pense. Waouh, on dirait que c'est Mario. Il vient de me faire un piège et à mon avis je vais être obligé de me le prendre. Mais d'abord je vais aller vérifier par là. Oh, cool. Je joue bien, ça a une petite sauvegarde. Pip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 
Je me demandais ce qui était tombé tuer Mario. Je n'aurais jamais pensé rencontrer une telle célébrité dans un tel endroit. Qui, moi? Je m'appelle Bombinette. Oh mon dieu. Au cas où tu n'aurais pas remarqué, je suis une bobombe. Ravi de faire ta connaissance. Qu'est-ce que... Pourquoi je suis emprisonnée? Car je suis trop dangereuse. Du moins pour cela, tu sais, les frères Koopa. J'étais une des nombreux bobombes travaillant ici. Mais ces Koopa, Bowser a pris le pouvoir et ils ont commencé à nous faire travailler comme des forcenés. Je n'en pouvais plus, alors j'ai explosé près d'eux. C'était une erreur, ils n'ont pas apprécié et m'ont enfermé ici. Ensuite, ils ont enfermé les autres bobombes de peur qu'ils s'insurgent. Une rébellion bobombe, qu'en penses-tu? Oh, désolé, je suis très bavarde. Mais bon, Mario, nous voulons nous enfuir. Tu penses être en mesure de nous aider? Allez, dis oui. Si tu nous aides, je te renverrai l'ascenseur, oui. Oh, super. Nous deviendrons de bons amis, j'en suis certaine. On va faire une belle équipe, Mario. Ouais. Bombinette rejoint le groupe. J'adore cette musique. Appuyez sur ses bas pour la faire marcher puis exploser après quelques pas. Elle peut détruire les murs fissurés ou des rochers. En combat, elle peut attaquer un ennemi au sol avec charge ou s'éclater et infliger des dégâts à l'adversaire avec bombe. Bon, trouvons un moyen de sortir d'ici. Ok. Oh mince, j'oubliais. Je ne t'ai même pas dit ce que je pouvais faire. Je suis spécialisé dans les explosions. Non, c'est vrai. Si un mur est fissuré, je peux certainement le briser. Essayons avec celui-là. Pouf pouf, à couvert. Ok. Yay. Tu vois, je serais bien utile au groupe, non? Oh, une issue! Mais je n'aurais jamais imaginé faire ça avant. J'étais si furieuse que j'explosais toujours au même endroit. Ici. C'était un peu bébête. Ah ouais. Bon, on y va? Ouais. Tout le monde peut partir, merci Mario. À partir de maintenant, je t'accompagnerai partout, demande-moi dès que tu auras besoin d'aide. Bon, assez bavardé, j'ai un compte à régler avec ses frères Koopa. Ne t'inquiète pas Mario, nous arriverons bien à nous en sortir. Avec tout ça, je n'ai jamais pensé à exploser le mur. Tu es sacrément malin. Sortons d'ici. J'étais triste, mais là je suis content. Libéré. Liberté. Délibreté. Wow, 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 la caméra fait pas n'importe quoi. Qu'est-ce qui se passe? Au cas où vous auriez oublié, exploser est strictement interdit à l'intérieur de la forteresse. Que... Mario, qu'est-ce que tu fais là? Rien de bon, j'en suis sûr. Tout le monde sur lui. Ok. Maintenez A enfoncé et lâchez quand... Ah voilà, ok. Merde. Je pensais qu'il fallait que je réappuie sur A. C'est pas si facile que ça de gagner des levels dans ce jeu, hein, de ce que je vois. Du coup, est-ce qu'il y avait des murs fissurés? Ah oui, derrière, je me souviens. Clé forteresse. Oh, ça joue bien aussi. Non, 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 non.
J'ai trouvé le badge super rebond. C'est quoi ce badge? Ouais, bon, il y a juste le menu pause hein, qui bug un peu. On permet de faire un super rebond pour 3 points. Putain. Ouais, je vais plutôt prendre le super rebond. D'accord, je peux pas encore aller là. C'est pas exactement ce que je voulais faire, je voulais remonter le menu. Ah non, faut que je me rappelle où c'est qu'il y avait une porte verrouillée. Sauf erreur par ici. Non mais je peux re-sauvegarder un pour se gêner, tiens. J'aime pas trop la musique des donjons, hein, c'est... pas terrible. Ah, tiens, un mur fissuré. Oh, un coffre. Vous avez trouvé le badge remboursé. Vous redonne des pièces si vous utilisez un objet en combat. Oh. Mais bon, j'utilise quasiment jamais d'objets, par contre les boss. Donc du coup, pas très utile ce badge. Et tous les objets que j'ai les trouve dans la nature, j'ai encore jamais rien acheté en magasin. Donc du coup, ouais, c'est pas très très utile pour moi. Je pense pas en tout cas. Ça. Merci. Ouais, ça aura rien de dur cette énigme. Ok. À moins que tu n'aies aucun sens de la 3D, hein. Et que tu fasses de la merde. Ok, je peux pas encore aller en bas, mais je peux aller là. J'ai eu l'initiative, tant mieux. J'avais appuyé là. Mais là aussi j'ai appuyé. Là aussi j'avais appuyé, cette fois ça a marché, va comprendre. Mais des fois ça marche, des fois ça marche pas, ok d'accord. Je ne cherche pas à comprendre. Ok, et là on va faire ne rien faire parce que sinon il y a les deux couillons qui vont s'énerver là. C'est des gros traîtres quand même hein ceux-là. Sérieux. Total traître. Bon, par contre, une fois que t'as pigé le truc des esquives, mais tu peux te faire des combats entiers sans prendre un jeton de la partie, hein. C'est vachement bien, ça. On a qu'à ça, je vois, c'est pour autre chose, non. Thank you.
porte fermée. Vous savez quoi, dans version anglaise, elle s'appelle Bombette. Je vois pas pourquoi ils ont mis Bombinette. C'est stupide. Vous avez trouvé la clé forteresse. Ok, cool. Merci. Pour l'instant, on progresse bien dans ce donjon. Je pense qu'on va le faire en entier. Ah ouais, carrément. Il s'excite un peu, hein. Eh ben, on profite pour le foutre sur la gueule. Tiens, je vais essayer quand même... Non. Non, on va éviter de bousiller des points fleurs pour ça. Mais oui, excite-toi à essayer de te relever, ça va pas marcher, mon gars. Non, l'XP monte assez vite dans ce jeu. J'ai une nouvelle initiative. Tant pis pour ta gueule. Oh, t'es seul en plus. Oh, ça va être facile. Le timing est pas toujours le même en fait, vu que la Nintendo 64 a des petits lags. Hein? C'est pas toujours la même chose. Oh, petit cœur de vie, ça je veux bien. En tout cas, je suis content d'y jouer avec une manette Xbox 360 à ce jeu, hein, parce que le mettre Nintendo 64 c'était un peu l'enfer. Ne rien faire. Mais là, Cooper, il serait pas censé se prendre des dégâts, normalement. Vu que c'est, il est dans la carapace, quand même. Moi, ce j'en dis, hein. Yay. Cooper, il s'excite quand tu gagnes. Ouais, 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 j'ai gagné. J'ai trouvé le badge coup boosté. La puissance du marteau de Mario augmente de 2. Ouh. Putain, attends. Je sais pas, là. Là, j'ai des grosses hésitations. Ouais, tu sais quoi, non. Donc, coup boosté et lance marteau, voilà. Les points cœur, je vais pouvoir les augmenter plus tard. Tiens, tiens, Mario, je n'aurais pas imaginé de voir arriver ici. Pff, ne rêve pas trop. Tu nous as juste surpris. Crois-moi, tu nous serviras de serpillière quand on aura fini avec toi. Allez les gars, feu à volonté. Sirop d'érable.
Bon, qu'est-ce que ça dit? C'est un Bilboom. Les Bilbooms sont les canons qui tirent les bilballes. PC Max 4, puissance 0, défense 1. Ils n'attaquent pas directement, mais ils tirent des bilballes tout le temps. Tu peux les bastonner tous d'un coup, c'est efficace, ou un par un. Ok. Je sais pas, on peut essayer... Ça servit à rien en fait. D'accord, non, faut pas changer les règles comme ça, les mecs. Oh putain, mais... Voilà. Je me trompe à chaque fois. Bon, au moins je peux les exploser maintenant sans qu'ils me fassent mal. Bon, j'avais pas besoin de beaucoup plus. Ah non, ça a 2 points de vie quand même. Super. Bon, moi je refais des dégâts avec ça. Ouais, avec ça aussi, ok, d'accord. Bon, ça va être long, mais on va y arriver, hein. Ça va être très long. Bon, au moins j'en ai eu un. Et ben si je galère déjà comme ça contre un mini-boss. En même temps j'ai mal géré mes trucs. C'est ça mon problème. Vas-y, retire-en un, c'est pas grave, je lui pète la gueule, regarde. Vraiment rien de dur. Voilà. Comme ça qu'on fait. Bon, en fait, c'était tout... Il y avait un rythme à avoir, c'est tout. Oh, attends, je vois quelque chose, là. Oh! Ah oui. Je veux. Vous êtes prêts?
Que fais-tu, force noire? Tu te dépêches, oui? Ok. Ouch, ma carapace. Bouge là. Attends un instant. Ouah! Pour l'amour de... Qu'est-ce que tu fais, force jaune? C'est pas bien du tout. Attends, c'est une parodie des Power Rangers, ces mecs-là. Ok, tiens bon, je suis prêt, force rouge. Enfin, allons-y. Ayez l'air funky, les gars. Ya! Yeah. What? C'est... Gah! Je t'attendais, Mario. Bouahahahar. Je suis l'incroyable, l'époustouflant, l'ignoble et unique roi des ténèbres, Bowser. Il est temps que je te donne la correction que tu mérites depuis si longtemps. Pleure. Ouais, non, mais c'est une machine de merde. Je suis pas con, hein. Je suis ça. Super, j'ai loupé. Gah, haha, je suis invincible. Tu ne peux rien contre moi. Apparemment. Ça fait des dégâts, c'est tout ce qui compte. On va essayer la charge, voir si ça marche. Ça marche. Mais j'arrive pas à esquiver ce coup, ça m'énerve. C'est quoi ton problème? Ce n'est même pas drôle, tu ne peux même pas me toucher. Et là, je te touche pas peut-être. Je le fais, je... Gahaha, oh haha, tu es si faible, oh, je ne peux pas m'arrêter de rire. Mario croit vraiment qu'on est Bowser, non. Chut, Mario va nous entendre. Non, non, je crois pas du tout, je suis pas con à ce point. Là, je le fais à chaque fois, mais... que pathétique, quelle faiblesse. La suite du jeu s'appellera Paper Bowser. Force rouge, nous tombons en miettes, là. Pas grave, Mario est mort de trouille, achevons-le. Tiens, je pourrais essayer ça. Oh non! Notre beau costume, Bowser l'adorait. Ça. Ok. Voici les frères Koopa. Ok Mario, goûte un peu à ça. Ouah, on tombe! La spéciale des frères Koopa, la super toupie infernale. Ouais, non, mais avec tant 4 points de vie! Mais c'est l'horreur! C'est bon! Pas chier. Je veux bien mourir, s'il te plaît. Merci. Voilà.
Oh, je les ai bien niqués. Oh putain. Non, vous trompez pas vraiment en fait là. Vous voulez bien tomber un peu plus vite? Parce que là, je suis en train de crever moi! Sérieux! Bon, c'est mon tour là, je peux jouer? Ou c'est nouveau? Voilà, on reste au sol. Comme il est encore... Loupé, couillon. Voilà, ça fait nous tes petits signes de Power Rangers, là, pour moi, ça change plus rien. Tu veux bien crever? C'est dur de se relever, hein. Mmh, 32 points étoiles. Au moins, il rapportait de l'XP, ces abrutis. Ouah! Eh oh, eh! Vous pouvez nous aider à sortir? Non. Ah, ils avaient mis une image de la princesse Peach dans le truc de Bowser. Pourquoi? C'était des fans? Je crois que j'ai sauvé mon premier esprit étoile. Mais oui, ils reprennent que des vieilles musiques des Mario, c'est génial. C'est ainsi que Mario vainquit les frères Koopa dans leur forteresse et sauva un esprit étoile. Malheureusement, il en reste 6 encore emprisonnés, il faut les sauver au plus vite. Le futur du royaume champignon, de Havre étoile et bien sûr celui de la princesse Peach, repose entre les mains de Mario et de ses nouveaux amis. Leur aventure vient à peine de commencer. Bah, se regarder, quitter, et puis on va s'arrêter là. Voilà. Nickel. Donc voilà les gens, cette vidéo vous a plu, vous laissez un j'aime, commentez, vous abonner, à partager sur vos réseaux sociaux, tels que Facebook et Twitter, et la mettre en favori, tout ça me fera un plaisir pour aussi nous rejoindre sur notre serveur Discord qui est dans la description de la vidéo. Voilà, sur ce, moi je crois que je vous ai tout dit, donc ciao les gens, c'était Mazband pour vous servir, allez bye. Citrouille, il va vraiment falloir que t'ailles consulter un médecin. Bah déjà pour sa maladie, oui. Pour la maladie mentale, là ça sert plus à rien. Hein. C'est pas soignable.